Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la promotion de l'épisode 2 Fallout 4, chers amis. Donc un épisode cette fois-ci un peu plus normal. Je crois que Curry est toujours à l'intérieur, hein. Elle est ici. Hey. Curry, je vais te demander quelque chose. De quoi voulez-vous parler? J'aimerais que tu restes ici. J'aimerais que tu restes ici, s'il te plaît. Je crois qu'il est temps que nos chemins se séparent. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Effectivement. J'aimerais que tu restes à Sanctuary. L'humanité a subi un triste déclin depuis les... Voilà. Nous, on a récupéré quelques armes, plus quelques armes que j'ai rajoutées en mode... que j'ai récupéré aussi via des commandes, parce que certaines ne sont pas entièrement disponibles dans le jeu encore à l'heure actuelle. Donc en l'occurrence, on avait récupéré quelque part donc une M14, qu'on va améliorer à un maximum. Hein. Automatique... Non, j'aimerais pas en automatique. Le monde se portera bien mieux quand il sera débarrassé de tout ce qui... Ça a l'air intéressant. Hop, on prend. Donc, dans le cadre toujours des améliorations des armes, et donc forcément de la quantité d'armes que je vais améliorer via les mods, j'ai décidé de me donner un petit peu de composants. Hein. Tant pis, la recherche aux composants va pas être faite. J'aurais préféré qu'on envoie des gens, par exemple, en fer. J'espère. Je ne sais pas si ce sera possible à l'avenir, on verra bien. Short barrel. Standard barrel, marksman barrel, bah voilà, en voilà une belle chose. Ok, full stock, donc short stock, full stock, marksman, recoil compensating. Bah honnêtement, honnêtement, j'aurais bien gardé le full stock, on va quand même mettre le marksman, sur le principe, vu que ce sera apparemment un sniper. Medium, large, medium quick eject mag. Ça ressemble à rien si je mets un truc comme ça, mais ça peut être stylé à regarder, donc écoutez, pour vous ce sera mieux. Iron sight, long scope, reflex sight, dot, medium scope, short recon, medium night vision. Bah elle est sublime celle-là, donc je vais la prendre. Regardez-moi ça. Sans bouche. Est-ce qu'on a un sniper? Oui, on a un suppresseur, on peut en mettre un. Donc un silencieux. Accessoire. Bipod. Better aim with scope. Lower effective damage. Donc d'accord. Ok, intéressant. Tactical light. Ça aurait pu être intéressant aussi, mais... à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de... D'une lampe, ça serait plutôt ce... Oh, quoique, ça peut être sympa. Allez, hop, allons-y. Non, 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 tactical light, c'est pas utile. Pas besoin d'un pointeur... À moins que si c'est un pointeur laser... Ça doit être un pointeur laser. Je vais... Au pire, on essayera, chers amis, on regardera. Donc, je peux l'avoir en arid stock, en dark stock, en mariner stock, en verdant stock, en wood stock. Mais écoutez, on va la laisser comme ça. Je trouve très, très bien. Munitions. Dozed brand... D'accord, ça fait des dégâts radioactifs, explosifs, incendiaires, plasma, chimiques, cryogéniques. D'accord. Non, moi j'aimerais bien... Oh, ça peut être intéressant. Armor piercing, ça peut être intéressant. Full metal jacket rounds. D'accord, ça fait des dégâts supplémentaires aux ennemis forts. Inversement aux ennemis faibles. On devrait essayer de trouver des munitions. C'est le genre de choses dont on n'a jamais assez. Bon bah non, on va garder des balles classiques. Hein. Et bien sûr, je peux mettre un système légendaire dessus. Ce qu'on va faire, je sais c'est lequel qu'on va mettre. Hop. Je sais c'est lequel qu'on va mettre. Hey. Alors surtout pas celui qui est... Notre petit projet de reconstruction de Sanctuary m'a vraiment aidé. Ça me permet de penser à autre chose. Voilà. Double dégâts si la cible est full santé. Voilà, qui est fait. Ok, donc j'ai juste envie de vérifier un truc avec cette arme, chers amis. Donc on va annuler d'ailleurs l'espace d'un instant. Moi, j'aime bien on va quand même l'appeler... Alors juste pour voir, comparer à...
Chute, ça fait boum, 147, celle-ci fait 151, donc elle est mieux techniquement. Les ghouls sauvages cognent dur. Sniper. Bah tiens, bah, pour la forme. Voilà. On va essayer de l'essayer, j'ai envie de voir si c'est un pointeur laser en fait, ou si c'est vraiment une pétoche. Parce que si c'est une pétoche, je risque de pas la prendre en fait. Hein. La pétoche, je veux dire. Je précise parce que... Hop. En 4. Hop. Si j'ai besoin de réparation, je ferai appel à vous. Alors c'est pas un pointeur laser, donc ce serait bien une... Une pétoche. Ouais, c'est une pétoche devant moi. Donc non, pas du tout. Je ne vais pas la prendre. Je vais l'enlever. Tu vas arrêter avec ta lumière. Hop, voilà, on va prendre bipod. J'espère que ça m'a pas mis bipod devant. Non, c'est bon. Et du coup... Oh, piouk. Génial. Quand on est sous le vent. Ok, cool. Cool, cool, cool. Excellent. Excellent, excellent, excellent. J'espère que la lunette sera pas trop grosse. Ils auraient dû mettre un système de molette pour, vous savez, réduire et augmenter la lunette. Hein. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Hein. Mais enfin bon, pourquoi pas. Donc voici la première arme. Donc on avait aussi trouvé le M2216. Je sais pas trop ce que c'est. On a apparemment le même système. Il est déjà amélioré au maximum, ce qui me surprend. Est-ce que je l'aurais déjà fait? Apparemment, je l'aurais déjà fait. Bah écoutez, tant mieux alors. Vache. Nous légendaires, pour l'instant pas besoin d'en mettre, hein. Je suis surpris de l'avoir déjà fait en fait. Et ceci, ce sniper. Et on a aussi, donc, on a aussi ceci aussi qui est un mod. Et là à mon avis je pense que vous allez kiffer chers amis. Je vais quand même vous le montrer d'abord. Est-ce que je peux vous le montrer directement peut-être dans le menu de base. Donc j'ai gardé le truc blanc, hein. Si vous voulez que je le change n'hésitez pas à me le dire. Desert Eagle, pistolet, et regardez-moi ça, il est magnifique. Il est absolument magnifique, et là même on peut dire qu'il est moche techniquement. Vous allez comprendre pourquoi. Tout seul à College Square une fois. J'ai jamais vu autant de ghouls au même endroit. Voilà, gravé. En or. Gravé en or, gravé en argent. Donc avec des dégâts supplémentaires, pareil. Je pense qu'on va le prendre en gravé argent, parce que l'or c'est trop. C'est trop pimp. Flashlight. Lui il en a une. On peut rajouter une lumière dessus. Donc là je lui mets. J'ai affaire. Standard grip, gold grip, silver grip, lucky grip. Nous on va prendre le silver. On va prendre un silver full. Hein. Standard mag, quick eject mag. Hop. Standard sight, glow sight, short scope. Hop. On va mettre le standard. Hein, pas besoin d'avoir la petite lumière. Et je sais pas si je dois mettre. Non je vais pas mettre de légendaire. De toute façon je peux pas en mettre pour l'instant. Je pourrais prendre le truc mais je vais pas en prendre. On va l'appeler le Deagle. Voilà. Crac. Juste pour la forme, on va aller l'équiper. Alors juste pour voir aussi, 154 de dégâts, le Deagle en question fait 156. Vous voyez, donc elles sont assez... comment dire, bien fichues. Bien que celui-ci, c'est avec le plus 25% de dégâts, ce qui est assez incroyable. Chargé, prêt à tirer, donc voilà, hop, le voici. Oh my god. Oh, je viens de faire pipi dans mon pantalon. Ok, c'est bon ça. Oh là 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 là, regardez-moi la beauté de ce flingue. Et donc, on a enfin le... non, pas celui-là, justement. Le truc comme ça, là. Donc, il paraît que celui-là, par contre, il est pas génial. M82 barrel with bipod, si possible. Parce qu'il y a un système de... Il y a tout simplement un système de... Faites tout de même attention. Je peux quasiment tout réparer, mais les gens, c'est plus compliqué. Comment dire? Il y a un système de... D'animation, entre guillemets, qui n'est pas fonctionnel. Voilà, on va le dire ça comme ça. Oui. Parce qu'apparemment, à l'heure actuelle, on n'a pas trop d'animation faisable. Enfin, c'est compliqué de faire une animation particulière pour un objet. D'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, on va l'équiper, mais c'est vraiment pour l'équiper au moins une fois. En plus, je le trouve pas forcément sublime. Ah, d'accord. En fait, le silencieux, c'est juste le bruit en moins fort, mais il garde la détonation. Entendez ? Une fois que j'ai rencontré une ghoul bon. Sauvage, vous voyez, puis en plus, enfin, je le trouve très plastique, en fait.
Mais en fait, elle bouffe de tout. Donc moi, je vais le ranger au niveau de l'armement, là-dedans. On va refaire un petit peu l'équipement, chers amis. Et on va enfin partir. J'ai rangé le sabre laser. Je vais garder des cadences de tir, hein. Le Fapman, Loco Loco. Ça, pourquoi pas. Ça, je peux le ranger. Le Do It Yourself Sniper, je vais le laisser. Le Chute, ça fait boom, je vais le laisser. Ça aussi. Il me semble qu'on est plutôt bon. Hop. On refait le menu. Hop. Cryolateur, on va le mettre en 3. Le... Où est-ce qu'il est? Don't Fear the Reaper. Baby, take my hand. Ici. Dernière minute. Mais ce sont tous les deux des... Ah. Donc on va le mettre là, plutôt celui-là. Je vais ranger dernière minute. Je vais ranger dernière minute. Hop. Ok. Des cadences de tir. Je vais le mettre en 6 parce que je ne veux pas trop l'utiliser. J'ai l'impression qu'il est un peu OP avec sa cadence de tir. Et le reste, si j'aimerais mettre ça en 7, ça serait parfait. Et le réducteur de munitions en 8. Ça devrait être bon. Ce qui fait que normalement j'ai toujours le... Voilà. Bon, je pense qu'il est plus que temps d'aller essayer ses armes. Les ghouls sauvages cognent dur. Est-ce qu'on prend quelqu'un avec nous ou est-ce qu'on y retourne en solo? Certains m'ont demandé de récupérer Vous Kate. Vous avez besoin de moi, monsieur. Kate qui est ici. Toujours aussi stylé. Je vais avoir une petite discussion en tête-à-tête. Avec plaisir. Toujours aussi stylé. Un flingue chargé et des capsules plein les poches. Ça, c'est la grande vie. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça donnera le moment venu. J'ai rencontré une goule sauvage. J'ai cru qu'elle m'ignorerait vu que j'avais pas de chair. Eh ben non. Mais en fait, elle bouffe de tout. Oui, complètement. T'as une jolie main, tu sais. Faudrait que je m'en paye une comme ça, un de ces quatre. Bon, on y va. Vous savez quoi, on y va tout de suite en pleine nuit, c'est pas grave. On va aller dans une zone où il y a un trou. Est-ce qu'il y a une zone où il y a un trou? Bah oui, il y a cette zone-là, forcément. Parc mobile, il va y avoir des abris du maire de Boston. Ouais, pourquoi pas. Là, il y a un gros trou aussi. Poste d'écoute, bravo. Ouais... Là, on y allait il n'y a pas longtemps. Macra Fish Packing, pourquoi pas. Libertalia, exact, oui. Où est-ce qu'on pourrait aller? Ah, aussi, je sais où est-ce qu'on va aller, chers amis. On va aller à Good Neighbor, 2 minutes. Et je vais vous montrer quelque chose, normalement. Normalement, elle le donne. Normalement, elle le vend. On va essayer d'aller l'améliorer, on retournera rapidement à Sanctuary pour l'améliorer, ça va vous faire plaisir je pense. Vous vous rappelez que je trouvais que normalement la... Enfin, que de base... Oh là, c'est marrant, on voit au travers. Alors c'est un reflet, je sais pas. Que de base, la sulfateuse, la mitrailleuse lourde... J'espère pas la sulfateuse... Que vous allez acheter quelque chose. Était moisie. Je n'ai pas tout ça ici pour la décoration. Et ben justement, voyons elle, elle va vendre quelque chose normalement. Chaque arme a été soigneusement testée sur... Quelqu'un qui le méritait vraiment, ok. Et normalement, donc elle vend bout en train toujours, hein. Normalement, quelque part. Alors déjà, elle vend ça. Je me rappelais pas qu'elle le vendait à la base. Je pense pas que ce soit ça. Hop, ça, je le prends. Est-ce que c'était ça? Je ne sais plus. Non, c'est une arme classique, ça. Oui, c'est une arme classique. Je ne sais plus, je ne sais plus. Normalement, elle est censée la vendre, mais peut-être qu'elle ne la vend plus. Hein. Faudrait que je revoie le nom de l'arme en question. C'est vrai que j'ai oublié un petit peu le nom de l'arme. Hop, on accepte. C'est pas grave. Hop. Weapons Workbench. Ouais, il est trop compact pour être... C'est bien ça. Ouais, c'est celui-là. C'est bon. Hop. C'est ça. C'est ça. Ok, normalement, je me trompe pas avec cette arme. Ça devrait être ça. Ok. Donc ça, on l'améliorera plutôt dans le prochain épisode, écoutez, tant qu'à faire. Maintenant, on va sortir et on va aller se battre un petit peu. On le mérite. Hop. Vous avez longtemps attendu pour du combat, chers amis. Vous allez l'avoir, ce combat. Tout simplement. Hop. Des mines. Forcément, une série de bips rapides. Bah oui, avant d'exploser, bien sûr. Bien sûr. Vous imaginez quand on aura les salles de, littéralement les salles de jeu de réalité virtuelle, il faudra justement ne plus bouger le pied quand on marchera sur une mine. L'horreur.
L'horreur. Faudra attendre que le mec de la salle il vous dise « Eh non, ça fait 2 heures que vous êtes dedans, vous devez sortir, vous avez payé que pour 2 heures. » Et là, vous devrez lever le pied, littéralement, dans tous les sens du terme. Et boum, vous serez mort. Oh non, pas encore. Bon, c'est pas grave. Ouf. Ouf, oh, le bruit, quoi. Oh, cet orgasme. Wow, en parlant de mine. Putain. Je sens que ça tiroille par là-bas. Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est que toutes ces choses? Hop. Super mutant. Génial. Ouh. Bah merde. Ah. Nous. C'est génial de voir les douilles partir comme ça. Hop les. C'est absolument génial de voir les douilles. Ok. Donc cette arme est géniale. Qu'est-ce qu'on avait mis en 1? Ah oui, exact. Ça aussi, il faudra qu'on le teste. Hop. Ok. Ça aussi. C'est parti. Ok. Qui sont au-dessus, c'est pas intéressant. Là, on a un bâtiment qu'on n'a pas trouvé. Duquel on ne s'est pas approché, incroyable. Wow! Ok. Why not? Ah oui, eux là, la bande de trous du cul, quoi. Ok. Ah voilà, d'accord. Oui, on m'avait expliqué qu'il allait y avoir un bug avec cette arme. Comme quoi, en fait, si jamais je changeais d'arme et que je coupais, fallait que je coupe la lumière, en fait, pour la... Oh. Hallucigène. Incorporated. Why not? Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Excusez-moi, je vais vous allonger sur la voiture. C'est... tendancieux. Ok, bon, tu veux bien te tourner, mon pote? Parce que si tu veux pas, je vais devoir le faire à ta place et ça sera chiant. Bon, il veut pas. Bonjour madame ou monsieur, je ne sais pas encore, je suis désolé. Là aussi, je vais vous lever, madame. Madame. Hop. Tournez pas de trop, s'il vous plaît. J'aimerais simplement, hop, vous mettre par là. Oh putain. La voiture. Ok. C'est terminé. La voiture. Putain. Est-ce qu'il y avait des ghouls dans le coin? Parce que là, s'il y en avait eu, vraiment... Oh, il y a un symbole. Symbole danger, je crois. Oh. Ah bah écoute, on y va. Danger ou trésor? Bon bah là dans l'autre. Ça peut pas être trésor, sinon je pense que ce serait un coffre. Donc écoutez. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Hein? Ok, on va y aller silencieusement, c'est pas grave. Il y a vraiment de drôles de bruits. Hein. Ok, c'est bizarre. Couché. Peut-être un petit peu trop puissant pour aller en l'air. Qu'est-ce que... Ok, il était très bizarre celui-là. Ok, génial. Qui est là? Personne n'est là. Cherche pas. Oh là là, c'est un petit côté Arkham. Ou Bioshock peut-être. Plus Bioshock.
Non, je crois que c'est sur moi qu'on tirait en fait. Ok, il y a des gens derrière la porte. C'est une bonne chose en soi. Tant qu'ils sont derrière la porte, c'est pas un problème. Ah, ils sont géniaux. Non, faut une vraie arme, une arme qui fait du bruit. Voilà. Une arme qui donne du stress quand on l'utilise. Et sûr aux ennemis, hein, s'entend. Ils avaient quand même des M14. Hein. Terminal de recherche. Écoutez, pourquoi pas? Essayons de comprendre. Encore. Non, c'était pas ça. Encore, on a un truc en rapport, mais ça ne peut pas être Faith. Fodz, ça ne peut pas être Fodz. Ça peut être Price, donc ça peut être techniquement la lettre E à la fin. Et voilà. C'est ça, hop, c'était bon. Activer le prototype actuel. Identifiant du prototype suppresseur. Futimine, veuillez évacuer le bâtiment. Afficher l'information du prototype actuel. Déjà. Identifiant du prototype suppresseur. Version puissance électrique, nanana. Neutralisation du non-mortel de la cible par décharge électrique. D'accord. Afficher les rapports de laboratoire. Rapport de gaz hallucinogène. Hallucigène, d'accord. Sujet blessé par exposition, agréablement, 5 sujets souffrant d'une rupture de traumatisme, 4 sujets dans un combat qui s'en suivi, 1 sujet sur 5 décédé pour cause de crise cardiaque, d'accord. Irradicateur. Veuillez évacuer le bâtiment. Ok, c'est très bien. L'alimentation a besoin d'être améliorée, son poids actuel de 2 tonnes est inadapté au déploiement sur le terrain. Déploiement sur le terrain, pardon. Ouais, c'est très bizarre, activer le prototype actuel alors. D'accord, tout simplement. Ok. Très bizarre comme endroit. Faut l'admettre, chers amis, c'est extrêmement étrange. Oh, Tesla. Oh ouais. Les armes à énergie. Moi, mais c'est pas les armes à énergie qui me font le plus triper dans ce jeu. Qui est là? Faites le tour par le côté. Ouvre la porte, vas-y, je t'attends. Porte avancée. Non, on va pas faire le tour, on va ouvrir la porte. Ok. Ça y est. Allez-vous-en. Ok, tant pis pour toi. C'est le pire, c'est que je t'aurais sans doute laissé la vie sauve. Hein. C'est ça qui me fait le plus chier dans l'histoire. J'ai gagné un niveau? Non, j'ai cru. Ok. Ok, je vois. Oui, effectivement, c'est un cul-de-sac cet endroit. Je peux plus respirer. Mais non, oh putain. Ok, c'est bon. Je dois tuer. Bah écoute, tue, hein, ne me fais pas chier avec ça, mais fais-le. Veuillez évacuer le bâtiment. Mais non, pas besoin d'évacuer, bonjour. Bonjour. Le problème, c'est peut-être qu'une balle à mort, ça fait peut-être un petit peu trop, mais je crois que je sens que c'est des ennemis bas niveau en fait. Parce que l'arme est pas overpowered, hein, de base, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que ça me surprend un petit peu de faire une balle à mort. Ok, ça tire wide dur. Hein. Oh, c'est rire. C'est génial. J'adore l'endroit. Il y a un truc qui me dérange au niveau de cette arme. Je l'avoue. Elle fait un peu trop de dégâts, j'ai l'impression, comparé à ce qui est affiché. Je répète. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Oh bonjour. Désolé. On n'a pas level up. Putain, j'ai l'impression que cette musique là c'est quand on level up.
Oula, on se calme, et oh, 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 oh. Des PC, aucun de fonctionnel. Si celui-ci, celui-ci, terminal de comptabilité. Hey. C'est pas extrêmement intéressant la comptabilité. C'est pas la compta qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qui se passe et comment le régler ce problème. Un verrouillage de sécurité est actuellement activé. Oui. Je répète, un verrouillage de sécurité est activé. Restez dans vos salles de test et attendez que vos responsables vous donnent d'autres instructions. Bienvenue dans la zone d'observation des laboratoires hallucigènes. Approchez-vous de la vitre pour assister à une de... Le gaz hallucigène. Hop. Le dispersant d'hallucigène. InvisiWave est une avancée extraordinaire dans le domaine de la technologie de furtivité. Elle est en dehors, donc autant. Qui permet de se passer. Vous êtes un criminel? Oubliez les armes. Le gaz hallucigène. La solution en termes de contrôle des foules depuis 2055. Le dispersant d'hallucigène est idéal pour disperser les civils sans violence. Mouais. Hallucigène décline toute responsabilité en cas de dommages matériels, blessures. Ok, c'était très bizarre. Résultant de panique générale. Alors, Teacher. Non, c'est pas Teacher. Ancient. Est-ce qu'on aurait quelque chose en rapport avec Ancient? Non. Worried, on a le E final. Joli. Ok, c'était ça. Procédure, laboratoire, arrêtez le verrouillage de sécurité, procédure. Non, je répète. Lié à l'utilisation du produit dispersant. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Bon, on va aller les voir parce que ça tire un petit peu trop et je suis pas assez dans l'action. Salut les filles. Qu'est-ce qui m'arrive? Porte déverrouillée, novice. Ok. Hop. Joli. Salut. Permettez, je... Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es mort. C'est quoi ce texte? Ce texte, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es mort, t'es censé être mort. What? Il n'y a plus personne. Des insectes. Des insectes partout, partout, partout. Des insectes. Tuez-les. Tuez-les tous. Une balle dans le dos. Fuite chimique. Terminal de la salle de test. Évacuer le bâtiment immédiatement. On va voir. Hein. Parce que bon, Worth. Est-ce que je le mérite? Non, c'est pas Worth. Donc c'est pas Bone. C'est pas Joints. C'est peut-être Flame. Ça peut être Flame. Ça aurait pu être Flame. C'est pas Cooled, c'est pas Wears, c'est pas Meter, c'est pas Right, c'est pas Cargo, ça peut être State, c'est pas State, ça peut être Prov alors. Ouais. Ok. Futilité, d'accord. Bref, c'est le bordel. En fait, pour l'instant, tous les PC nous disent que c'est le bordel. Ce que je comprends, hein. Honnêtement, hein. Je l'avais remarqué que c'était le bordel. Prends ça! Prends ça! Ils sont géniaux! J'adore! Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. J'adore, j'adore, j'adore. Mais ils sont où les derniers? Ah, ils sont là. Ah, je peux pas. C'était vitre barbale. Bien! Ils avaient prévu leur coup, hein. Vitre barbale, quand même, c'est pas rien. Ça coûte de l'argent. Bon! Fin du verrouillage de sécurité. Veuillez garder votre calme et évacuer le bâtiment. Ok. Alors si j'avais su, j'aurais gardé l'autre flingue, la 147. Parce que je serais curieux de savoir si... Hop, on va équiper celle-là, on va bien voir. Ça tiroie encore, hein. Et violemment. Bon. C'était par où la sortie déjà? C'était par là. Hop. Hop. Le gaz. On peut pas échapper au gaz. Le gaz. On peut pas échapper au gaz. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Qu'est-ce que tu fais là? Davy, qu'est-ce que tu fais là? T'es mort. Hop les.
D'accord, il y a un mec qui a fini en cendres. Ok. Bonjour. Hop. En même temps, celle-là, elle se l'est bouffée pleine tête. Hein. Terminal du PDG. Ah, là, ça peut être intéressant. Difficile. Ça aurait pu être difficile. D, I, F, I, C, I. Donc là, on en aura eu deux, donc c'est pas bon. Difficult. Ça aurait pu être ça. Il y a une lettre, c'est le L. Donc ça peut être instantly alors. Ah, donc c'est currently. Ça y est. Oui, c'est bon. Agenda, commande du coffre. Ah bah non, bah non. Bah non, bah non. L'agenda, ça peut être rigolo à lire, remarque. Administration, réunion des ventes. Ouais, non, y'a rien en fait. C'est juste vraiment l'agenda de. Bah, je m'entendais à un truc genre à un moment, vous savez, on allait voir. Tentative de, d'intoxication du bâtiment complet. What? Quel homme! Quel PDG! Ça veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, alors. Voilà! C'est bon. Oui. Et pas le pistolet. Hop. Rien d'autre? Un jeu. Apparemment rien d'autre. Bon. Par là on a une porte. Là on a la secrétaire, j'imagine, qui était de... enfin qui doit être dessous le truc maintenant. Oh. Oui, je vois où est-ce que je suis. Cool. Ah. Ah. Ah ah. Ah, raté. Je m'en doutais que j'allais la louper celle-là. Je m'en doutais, chers amis, que j'allais la louper. Honnêtement, je m'en doutais. Veuillez évacuer le bâtiment. Oh putain. Ça va être saoulant. Je sens que ça va être saoulant. Je répète. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer. Oh là là. Ok, donc on va le faire normalement. Hop, voilà. Donc voilà, ça c'est l'arme que j'avais récupérée. Est-ce qu'il y a un truc? Effectivement, il y aurait un truc de la pâtée pour chien et de l'eau sale. Donc, vous savez quoi? On annule. Hop. Ça tiroie encore, donc il y a de la vie. Et s'il y a de la vie, Marcus doit venir. Oh, bonjour. Enlevez-moi ça tout de suite. Bonjour. Oh. Je me suis fait eu. Pourquoi pas? Il est sous ma peau. Ah, enlevez-moi ça tout de suite. Combien de fois je vais me faire avoir? Combien de fois je vais me faire avoir? Non, arrêtez. Pauvre homme. Un homme qui pleure, des larmes d'homme, chers amis. Ok. Ah, j'ai pris le M14, bon tant pis. On peut pas échapper au gaz. Oui, je suis entièrement d'accord, on peut pas échapper au gaz. Bonjour. On ne peut pas s'enfuir. Personne ne peut s'enfuir. Des insectes. Il y a des insectes partout. Évacuer le bâtiment. Pauvre homme. Foutez le camp. Foutez le camp. Ah, il est gentil. Il est gentil. Je souhaite te pacifier. Du calme. Main en l'air. Putain. Qu'est-ce que vous me voulez? Ah bah voyez, il est revenu à la raison. Parfait. Hop. Porte déverrouillée, novice. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est bon. Oh. C'est con ce qui s'est passé par là, pardon. Un PC. Terminal d'accès à l'ordinateur central, ça peut être intéressant. Tire. Joli. Ah bah voilà, coup de bol. État de l'ordinateur central. Je répète. Fuite chimique détectée. D'accord. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Alors j'ai volontairement pas voulu appuyer sur réinitialisation des machins bidule truc parce que je veux pas réinitialiser. Si je veux. A mon avis, la réinitialisation en fait elle va servir à. À comment. À mettre un mot de passe en mode facile, entre guillemets, vous voyez. Donc. Terminal d'accès à je sais pas trop quoi. Kidnapping. J'y suis. Ah bah voilà. Commande de la porte de sécurité. Bah voilà, parfait. Ouvrez la porte. Accès au verrou.
Accès au laboratoire. Ah, oh, d'accord. Pourquoi pas. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Wow. Ok. Effectivement, ça a l'air poison là-bas. Juste pour voir. Non, ça va, je me suis bouffé que j'ai encore que le poison moisi du de truc. Fuite chimique détectée. Terminal de commande de la décontamination, machin, le truc, d'accord. Bah écoutez, on va essayer de décontaminer la zone. Lighter, briquet. Pas briquet. Ça peut pas être scrapper. Ça peut être adorned. Et voilà. Parce qu'il y avait le E à la fin. Commencer la décontamination. Est-ce que je peux en profiter moi aussi? Ah. On respire. On respire. Piège. La zone est complètement piégée. Qu'est-ce que... Commandant des artilleurs. Putain, c'est pas lui en fait là. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment. Ok. Autant faire ça. Hop. Parfait. Un peu d'effet supplémentaire. Ok. Désamorcé. C'était sans doute ça le piège en plus. Merde, c'est le Radaway que je voulais, merci. Clé d'hallucigène, briefing de mission d'hallucigène, tu vois non. Note d'artilleur, on a plein de trucs là. Alors. Spécial, donc inventaire plutôt. Hop. Divers. Note d'artilleur et briefing de mission. Donc briefing de mission dans les B. Client confidentiel, cible hallucigène, mission récupération, petit contact unité de reconnaissance, attaque de front, éliminer les défenses automatisées de toute résistance, renforcer vos positions, sécuriser le matériel militaire avant-guerre. Le client est particulièrement intéressé par les armes Invisiware et Eradicateur, pas d'informations, accéder à l'unité centrale, télécharger les schémas, évaluer les cibles d'opportunité, repli. Donc il y a deux armes dans ce bâtiment. Note d'artilleur, on va essayer de la retrouver assez rapidement. La voilà. Donc, écrire devrait m'y aider avec une sorte de gaz dans le labo. Il a été libéré quand on est entré. Il s'est vite diffusé partout. Tout le monde a disjoncté. Locke et Harald ont essayé de m'abattre. J'ai eu en premier, je crois. C'est dur de réfléchir. J'ai scellé la porte. On ne peut pas laisser ce gaz s'échapper. Avec le temps, je pourrais peut-être m'adapter. Je dois tenir. Il le faut. Ça fait trop mal. Je les entends des voix. Ils arrivent. Assez. D'accord. Oui, effectivement, c'est la folie cet endroit. Bonbonne de gaz. Oh. Alors là, faut rechercher dans la zone. Il y a apparemment deux armes. Et souvent, quand il y a deux armes dans un jeu, qu'est-ce qui se passe? Faites votre choix. Bonbonne de gaz. Donc, il y a certainement une quête en rapport avec ce truc-là. Hein. J'entends plus personne. Qui est plutôt une bonne chose en soi. Bonbonne de gaz. Bec benzène, bonbonne de gaz. Ok. Mais cet endroit est vraiment génial. Hein. Ok, l'arme devait être là, je pense. Bonbonne de gaz percée. Ok. Bonbonne de gaz percée. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment. Percé. Incassable. Percé. Ok. Clé d'hallucigène, pourquoi pas. J'ai peur que ça me mène dehors. Ouais. Oh. Intéressant ça.
Comment suis-je censé y arriver? Comment suis-je censé l'atteindre? On est bel et bien au fond de la station. Hop, il y en a encore une bonbonne là, ici. Il y a deux armes à y trouver. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment. Donc à mon avis, ça doit se passer dans la sortie sur l'esplanade. Ça m'étonne, mais bon. Les cartouches. Il y a une porte là. Ça peut pas être là. On va essayer de passer juste pour voir. C'est vraiment juste pour voir, mais... Ah non, c'est là où je suis allé avant. Exact, c'est une salle, une des premières salles en fait. Ok. Donc il y a des armes, mais on les a pas. Esplanade alors. On va aller sur l'esplanade après tout, pourquoi pas. Alors là, ça m'étonne parce que l'esplanade, ça fait carrément sortie en fait. Ça fait directement une sortie. Ça me fait penser à une sortie, moi, perso. Bon. Bon. Et puis, vu l'endroit où on est, le niveau auquel on devrait être sur une sortie, en plus. C'est ça qui me... Ah, j'ai entendu un petit bruit. Est-ce qu'il se passerait quelque chose? Ouais, donc non, c'est pas bon. Hop, on y retourne. Attendez, je regarde un truc, hein. Je répète. Fuite chimique détectée. Veuillez évacuer le bâtiment immédiatement. Donc apparemment non, il n'y a aucune arme. Excusez-moi, j'étais en train de regarder justement s'il y avait des armes. Et apparemment ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Par contre, apparemment, donc en récupérant les différents trucs qu'on a pris, là, les différentes canisters, là, les différentes bonbonnes, on peut se faire des grenades de gaz hilarant. Voilà, c'était ça l'objectif. Excusez-moi, j'étais en train de le lire. Bon. Encore ? J'en ai assez de ces machins-là, moi. Tiens, on n'a pas sorti encore le fameux sniper. Où es-tu? J'ai plus le jetpack. Ouais, non, j'ai plus le jetpack. Est-ce que je l'ai encore sur moi, remarque? Non, je l'ai plus. Mince. Ah, il est là. Ah, putain. Il est derrière le bâtiment, quoi. Tu m'étonnes. Bah tiens, on voulait un autre. En moins bon état, par contre, on peut dire. Ah, le voilà. Hop, un moteur. Deux moteurs. Ça va être beaucoup plus compliqué de voler là. Hein, mon pote. Et voilà. Wow, ce coup. Wow, wow. Dégage. Il a sauté avant. Il y a des chiens. Non, c'est un gentil. Qu'est-ce que... Viens par là. Oh. Oh, c'est ça l'arme. What? Je prends d'autres dégâts. Hop, meurs. Il y avait un autre chien. Mais oui, c'est la seule chose qui m'intéresse. Chien de garde. Regardez ça. Salut mon pote.
Mais t'es mignon comme tout. Il est où ton maître? Enfin mignon, oui, enfin. Tu vas te calmer. Hein. C'est mignon ça. Bon. Y'a plus le gros machin qui était dans le lac. Apparemment non. Bon bon bon. Bon eh bien les gars, enfin les gens, on va se laisser là les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, en perso lien dans la lumière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Normalement, si je compte bien, hier vous avez dû avoir le premier épisode de Far Cry, donc j'espère que le jeu est aussi bon que la hype qu'il me donne. Encore une fois, un grand merci à vous pour votre fidélité, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, et n'oubliez pas, vous pouvez cliquer dans la bannière de la chaîne et aussi dans le descriptif de cet épisode vers mon partenaire Gamesmet.com qui m'a gracieusement offert donc Fallout 4, mais aussi Far Cry Primal, et plein d'autres jeux sur la chaîne, donc encore une fois un grand merci à eux, un grand merci à vous. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour votre aventure, salut les gens. Trop la classe, trop la classe.